Bonjour tout le monde. Mon fils a très mal dormi. Là, il est malade. Donc, du coup, on s'est préparé. À midi, on a rendez-vous chez le docteur. Il a le nez qui coule, il a eu un peu de fièvre, il tousse. Donc, ça y est, voilà, première maladie de la crèche. Super, quoi. Bon, ma pédiatre m'avait prévenu, elle m'avait dit quand Mylon il va commencer à rentrer à la crèche, à l'école, il va être malade, mais c'est pas grave. Voilà, donc je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Hier, tout allait bien, il est allé à la crèche. Hier après-midi, il commençait à être chelou. Hier soir, enfin non, plutôt hier soir, en fin de journée, à partir de 16h, et là, du coup, ben, ça y est. Bon, elle était en train de se poser une petite question, et mon mari, on est en train de rouler, puis on se disait, on fait quelle couleur, on amène Mylon chez le coiffeur, on fait quelle couleur? Est-ce qu'on fait vert ou bleu? Vous en pensez quoi, vous? Chérie, plutôt vert ou plutôt bleu, du coup? N'importe quoi. Non, mais je dis ça parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'on a pété un plomb capillairement parlant. C'est pas faux. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On s'occupe, voilà, écoutez. Mais après, il y en a certains, ils vont plus loin, ils disent, ouais, comment ils vont être éduqués avec leurs cheveux, ils savent plus quoi faire. Donc l'éducation de notre fils, elle a rien à voir avec la coupe de cheveux, c'est juste que c'est juste que nous, on s'amuse, on kiffe, voilà. Voilà, on kiffe. Mais notre fils, vous inquiétez pas, ni pour ses cheveux, tout va bien, ni pour son éducation, tout va bien, elle est aussi. Et puis, il nous reconnaît, lui, hein, il n'a pas de soucis, ça lui dérange absolument pas. Quand on arrive avec tous nos cheveux de bizarre, il nous regarde même pas bizarre. Oh mon petit Titi! Bon, ben, je suis très heureux d'être ici. Ça faisait plusieurs années que j'étais pas venu dans de telles aventures. Je suis très content et j'ai rencontré plein de personnes ici cool. J'en ai retrouvé plein que je connaissais déjà et que je suis très heureux de voir. J'ai retrouvé ma femme. Bébé, le pauvre. Oh, il est tout mou, il a les yeux, ils sont tout tristes. Mon cœur. On va aller chez le docteur là. Ouais, ça y est. Bon, de retour à la maison. Il a beaucoup râlé, je le vois pas moi. Tu le vois toi? Il s'est décalé. Je crois qu'il dort. Ouais, on n'entend pas. Donc, on est resté 1 heure chez le docteur. Elle nous a fait, elle a fait un nébulisateur en fait, c'est l'oxygène. Avec aussi de la cortisone. Enfin voilà. Il a un petit programme pendant 3 jours. Spécial. Il a fait un test pour savoir s'il avait la bronchiolite, la grippe, donc ça c'est négatif. Et voilà, donc on espère que ça va s'arranger. Et puis si ça ne s'arrange pas, et ben, je vous dis, ben, on ira à l'hôpital. Voilà. Donc on espère que ça va s'arranger. Et puis voilà. Viennent tout de moi, ça. Regardez. L'inspiration. Non, ça c'est nous là-bas. Ouais, bon, ça c'est eux. Les mais petites, attendez, les viens, petites. Viens. Ça là-bas c'est nous. Suivez-moi. Nous sommes en visite guidée. Il est très très fier de sa déco. Allez, montre-moi. Regarde, je peux rien dire. Je peux rien dire. Ça c'est moi. Ça c'est toi. Ok. Ça c'est moi aussi. Ouais, ok. La coupure, ça c'est moi aussi. Ouais, en fait c'est tout toi quoi. Ça aussi c'est moi. Attends, je crois qu'il est en train de mentir. Non, vas-y, vas-y. Oui, non, non. Moi je sais quoi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ok. T'as dit, oh, c'est des gaines, j'ai dit prends-le. Les gars, vous battez pas. Ça, c'est moi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'est moi. J'ai décoré chez vous, si, appelez-moi. C'est mal à ce c'est mal au sang, on fait des toiles. Et ouais, mon poids, je vais tout faire en espagnol. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, tu m'as fait. Le latino, c'est le temps de l'hémicon. Hermano, sur les tapis, tu dis.